posé sur la plage peinard avec ma guitare. Puis y a ce mec qui est sorti de nulle part, qui avait une allure d'un autre temps, comme un poète disparu qui aurait pas vu la terre, le ciel. Depuis Mathusalem, avec son regard dans le vague, il s'invite vers moi avec une démarche tout aussi vague qui te fait dire qu'est-ce qu'il me veut celui-là. Sur le coup, j'ai bien cru que c'était un témoin de Jéhovah, mais il se trouve qu'en fait, c'était pas ça. Le mec se plante devant moi et s'arrête. Comme je suis un gars poli, eh ben, j'ai levé la tête. Bonjour monsieur, vous posez-vous des questions sur l'univers et ce qui s'y passe au fond? Pensez-vous qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes? Ah, et puis croyez-vous aux extraterrestres? What? Alors, après un petit répit, je réponds oh ouais, je pense qu'il y a de la vie. Il y a tellement de planètes qui orbitent au-dessus de nos têtes que ce serait bien ballot s'il n'y a pas une petite bactérie qui, dans ces milliers de mondes, aurait bien pu faire son nid quand même. Ah mais mon bon monsieur, ils nous ont déjà contactés. Et en plus, vous savez quoi, ils sont très évolués. Il y a des milliers d'années de ça, ils avaient déjà essayé, mais on les comprenait pas et on a mal interprété. Vu qu'on était un peu neuneux, ben on a cru que c'était des dieux. On s'est mis à les annuler et pouf, ça fait... Non, je déconne, des religions. Tenez, pour en savoir plus, prenez ce prospectus qui répond à toutes vos questions posées sur notre organisation, dont il n'a d'ailleurs pas cité le nom. Étonnamment. Puis il est parti, me laissant en légère confusion. Et finalement, le document fit tomber des points d'interrogation. En fait, c'était Raël qui m'envoyait un de ses prophètes. Parce que vous savez quoi, ce mec a rencontré les extraterrestres. Moi, j'adore les sectes, c'est bon pour l'imagination. C'est un peu comme la politique, mais sans aucune limitation. D'ailleurs, moi aussi, je veux dire n'importe quoi, sans modération. D'ailleurs, je vais faire ma secte, on vénère. N'importe quoi, le premier truc à tête, le saucisson. Laissez-la rentrer dans votre cœur, dans votre esprit, ainsi que dans votre rayon charcuterie. Un jour j'ai vu le Saint Saucisson qui m'a marqué de ses petits bouts sur du gras de jambon. Les saucissonnesques commandements qui dicteront la vie des adeptes à présent. Et un, tu te lèveras. Deux, tu danseras. Trois, tu chanteras à la saucisson sectée. Un, et tu crieras. Deux, tu sauteras. Trois, tu hurleras à la saucisson sectée. 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 Faites tous vos sectes, éclatez-vous, c'est super, il faut avoir de l'imagination.